Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, suite des aventures, cette fois-ci de Abby et pas de Ellie. Alors, souvenez-vous-en, dans l'épisode précédent, on avait explosé en termes de révélation du pourquoi, du comment Ellie, elle a fait ça à Joël. On a joué du point de vue de Ellie. Et là, dans cet épisode, on va encore jouer du point de vue de Ellie. Alors, je sais pas combien de temps, mais peut-être un petit moment, parce que là, maintenant, on va se pencher plus de son côté. Et dans l'épisode précédent, on avait eu des révélations qui donnaient raison un peu à Abby pourquoi elle avait fait ça à Joël. Parce que Joël, il a fait des trucs pas bien. On peut pas dire le contraire, elle a fait des trucs pas bien. Donc du coup, Ellie veut se venger d'Abby et Abby voulait se venger de Joël qui avait tué son père, je le rappelle, qui était le docteur qui devait opérer Ellie dans l'épisode 1 et dans le début de l'épisode 2. Donc du coup, elle a exécuté sa vengeance. Elle a eu... Je sais pas si elle a eu raison ou tort, mais elle est justifiée en fait de ce qu'elle. C'est pas juste, voilà, elle l'a tué pour le plaisir, elle est justifiée sa vengeance. Comme Ellie, elle est justifiée aussi, donc c'est un choix cornélien assez. Voilà, chacun penchera du côté d'Ellie, du côté d'Abby, voilà, chacun fait son débat. Sans plus tarder, parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite, sans plus tarder, on va se mettre tout de suite. Dans le jeu, on s'est arrêté juste ici et on continue avec Schwarzy, féminin, voilà, parce que Abby est gaulée comme le signal Soja, comme un mec, et je peux pas dire le contraire, elle est plus gaulée que moi, putain, mais c'est quoi ça? Putain, regarde, elle a même des pecs, quoi. C'est un mec. À mon avis, après ça, elle a fait de la muscule, elle a dit, ça va être la vengeance. Rocky 4, quoi. Allez. Donc du coup, bon, on va suivre. Donc là, on est dans le quartier des Lucioles ou de la WLF. Ah, la salle de muscule et tout. Putain, ils sont bien organisés, hein. Et il est où? Ah, il est là. Ok. En tout cas, c'est impressionnant. Et ce jeu est surprenant de bout en bout, quoi. C'est dingue. C'est dingue que Naughty Dog atteint un tel niveau de... d'écriture. Oh, il y a des enfants. Oh, il y a une école. Putain, ils sont bien organisés, quoi. Elle aussi. Un gentleman sait tenir sa langue. Mais là, ça se passe avant qu'on a tué Joël ou après? Putain, il y a une cantine et tout. T'auras ce que t'auras. Putain. Oh putain, ils sont bien. Hein. Salut Donald. Jacksonville, franchement, ils étaient bien aussi. Mais là, ils sont bien. C'est un décor différent, c'est un endroit différent, mais ils sont super bien organisés aussi. Hein. Je dois aller où? Dog, burger. Ah, il m'a dit un truc piquanté. Pizzeria. Hein? Ah, ça a pris là, ça balafre. Je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Cerevena? On doit aller à la base avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. Prends le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Donc, ça se passe après parce qu'il a sa balafre. Voilà, il a le petit coup de couteau que lui a fait. J'espère que le mixage de son est bien. N'hésitez pas à me le dire hein, en live. Donc, il m'a dit un truc piquant. Faut que je prenne un truc à manger. Donc, je sais pas si... Donc, Nora, elle est déjà morte ou pas? Je vais aller là pour voir, je sais pas si c'est là. Désolé, hein, je cours. Oula. Putain. L'organisation de ouf. Ah, là. Il y a quoi au menu? Des burritos. Encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais?
Hey, queremos prisa, dame tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue. Tiens, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Mon burritos dans la main. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Et peut-être parce que j'articule mal? Allez, arrête un peu de parler. Non, j'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Oula, par contre, petit bug quand il grimpe les escaliers. Hein. Je sais pas ce qu'il fait là, mais... Qui monte les escaliers comme ça, en mode boubou, je vais te faire peur. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Ah, bah on est au stade! Ah oui, le fameux stade qu'on voyait dans les lettres à chaque fois qu'il disait « Je vais au stade, rejoins-nous, etc. » Putain, elle a déjà bouffé son burritos. Putain, d'accord. C'est bien, hein. Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. Voilà. On est au stade. Ok. Je comprends l'endroit maintenant. Alors, toi, t'as une PlayStation 3 ou pas? Non, c'est quoi ça? Un lecteur DVD, ok, d'accord. T'as pas de console? D'accord. Ah. On va faire un petit peu de vaisselle? Non. Je ferai ça plus tard. D'accord. C'est crade en tout cas. Hein. Non! Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Une scientifique, hein? Ah. Elle partage ça sans, en gros, hein. Ben non, il n'y a qu'un lit. Elle est lesbienne aussi ou quoi, Abby? Ah non, il y a deux lits. D'accord. Donc, l'autre, elle habite là. Elle dort là et elle dort là. Ok. Donc, on va prendre le sac. Toc toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hé. Hey. Essaye encore. Ok. Donc on était bien dans ce fameux stade qui a été retapé en camp. Ils sont bien organisés, n'empêche. Hein. Après c'est une bonne idée, hein, le stade. Hein. Franchement, superbe idée. Hein. Ok, c'est parti. J'avais peur de... Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air... je sais pas... mal en point. Comment ça? Bah, en fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96? Je vous laisse recruter. Ouais, c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Que le bébé arrive. Voir tous ces enfants courir partout. Ouais, je me prépare. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Il a encore rien vu du tout.
Il est en patrouille avec Danny. Danny ? Aïe. Oui, ils ont de l'élevage ? Ouais. Punaise ! Eh, mais regarde-moi ça ! Putain, mais eh ! Ah, ils sont partis où ? Ah, ils sont là. Oh là là, super bien organisé. Par contre, t'as pris un coup de soleil, Abby, hein. Je te le dis, mais de la crème. On emmène Alice. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, tu vas la chercher. C'est le chien qu'on a tué ? Non. Hé, hey, ma belle. Salut, grosse bête. Hey, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse. Hé, hey, Al. Tu veux voir les camions ? Allez, on y va. Oh, salut, Gregory. On va jouer à la baballe avec le chien. Ok, mais juste parce que t'es gentil. Monsieur qui est le meilleur. Oh, brave bête. Par contre, attends, j'ai paumé ta balle. Viens, tiens, va chercher. Hop. Chope la balle. Il y a un succès. Bon, par contre, tu vas me la ramener tout le temps parce que ça va être chiant. Bon. Oui, non, mais oui. Allez, une fois et hop, vite, je me casse. Allez, salut. Hein. Je t'ai pas aperçu avec Jenny hier soir. Ah, le pauvre. Je suis déprimé. Il y a personne qui veut jouer avec moi. J'ai trouvé le temps long là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Au moins, elle est pas obligée de se battre. Je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper, moi. Et juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus bousiller de Scar. Non, je crois pas. Moi, ça me rendrait dingue. Salut, Abby. Salut. Attendez-moi. Hein ? WLF. WLF repose en paix. Salut Pat. Hey. Quoi ? Ah, c'est le mur de tous les membres qui sont morts. Putain, d'accord. Putain, c'est... Salut Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Y'a quoi comme bagnole ? Prenez la S24. Je conduis. Tu signes. Pantero. Merci. Que ta vie soit longue. Je peux pas lui mettre une balle à lui là, il me saoule. Mais LOL quoi ! Putain, j'ai une mitraillette ! Ils sont super bien organisés, hein. Punaise. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Waouh. Pourquoi tu veux t'organiser? On est obligé de passer par là. Si on se faisait un petit concours. Le perdant nettoie l'appart. On joue gros. Allez, si tu veux. Le meilleur sur un chargeur plein. Ok, cabron. Allez. À mon avis, ça sent le trophée PS4. Ah, on peut pas changer d'arme. La prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh, d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Non mais c'est bon, je me suis entraîné. Hein. Par contre, j'ai que 9 balles. Non mais sérieux, comment je fais pour récupérer des balles? J'ai usé des balles pour rien, là.
qu'on aille à la base. Il reste des munitions si vous voulez. Oui, je veux bien des munitions. Ah, cool. J'en pense à tout, hein, quand même. Génial. Ok. Oui, oui. Je vais regarder s'il n'y a rien. Non, toi aussi, tu m'as manqué. Ok, allez, on y va. Intéressant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pouvez papoter. Bon, je pense que là, on va peut-être avoir un moment de un long moment de dialogue. Mais c'est intéressant de voir ce point de vue-là. De Abby. De WLF, par contre. Prendre une femme enceinte avec nous. Je vais vous mettre en plein écran pour profiter. Tu veux que je te trouve quelque chose avant de voir ici ? Non, ça va. C'est pas trop chose. Non, j'ai juste besoin de fatigue. J'ai pris plein de soucis. Pas mal de saumon sauvage. Tu voulais dire quoi pour moi, Owen? Je n'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé? Il a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je le croise au réfectoire. C'est vite plein de monde. Accrochez-vous! Wouh! Des siffleurs, allez, ça commence! J'avais pas vu. Non, non, non. Ils sont avec nous ou pas eux? Merde! Ah mais je suis une quille! On est pas dans la merde, on est pas dans la merde! Salut gamer fou! Ouais, je joue PS4 Pro. Salut Kevin! Putain de scar! On est loin de la base avancée. Ah, il est que sur PS4 de toute façon. Il est trop exposé. On va à l'intérieur. Allez, du coup, bah on est parti, hein. Moment d'action. Ok. Allez, on va sécuriser la zone. Bon. On va prendre le petit flingue. Eh bah dis donc. Bon, c'est les ska, hein, c'est pas les siffleurs. Moi, je les appelle les siffleurs parce qu'ils arrêtent pas avec leur... Ah, là. C'est quoi? Kentucky... Mais c'est quoi? Ah, elle fait la collection des pièces comme son père. Ok.
Je ne saurais pas te dire, je pense, oui. Hein. Je pense que oui. Hein. Mais 4K sur un HDR, ça me semble bizarre, parce que normalement, c'est automatique, non? Ou... Hey, Abby. Je sais pas, en fait. Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif. Mais je pense que oui. Compris. On aurait peut-être mieux fait de rester dehors. Tu verras la différence, t'inquiète. Ça va aller. Attends, qu'est-ce que je fais fabriquer ici? Ah, on a des tuyaux explosifs. Rebondir la PAC et explose après un bref délai. Confectionne deux bombes. On a des nouveaux... des nouvelles choses avec Abby. Qu'on n'a pas avec... Oh, attends. Qu'on n'a pas avec Ellie. Du coup, on va les fabriquer, tiens. Voilà. Ça, on n'a pas avec Ellie, ça. Allez, du coup... Oula, galerie des monstres. On a entendu un drôle de bruit. On va faire le tour, on voit si on ne trouve rien. Ah, là. Hop. Voilà. Ah, ici. Hop. Ah. Est-ce qu'elle aussi, elle a le sens de Louis? Ouais. Donc, du coup, elle peut voir ses copains. Oula, on entend des drôles de choses. Il hein. Y a plein d'endroits où se planquer là-dedans. Oh, oh. Les gars, on a de la compagnie. Désinfecté. On a le chien, nous. Donc, attends. Donc, là, ok. Donc, attends, je vais essayer d'y aller. Alors. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'infecté. Donc ce que je vais faire, vu qu'on n'a pas l'arc avec elle, est-ce que je peux fabriquer le silencieux? Non, bah non. Donc, on va essayer de les avoir. Ici. Je vais essayer de l'avoir. Et hop. Alors elle, c'est pas un couteau qu'elle utilise. Hein. Hop. Elle brise la nuque directement. Oh. Oui, je sais, j'ai vu. J'ai oublié un truc, je sais. Tais-toi, passe à travers du truc là. Donc il y en a un autre là-bas. Ok. Attends, je vais récupérer le truc que j'ai oublié. Après, on fouillera un petit peu la zone. Attends, on va fouiller un petit peu la zone ici. Ah, je croyais que c'était des portes. Mais non, en fait, dans un magasin, parce que. Avec du bricolage. Du coup, forcément, ils vendent des portes. Là, il est là. Attends, on va faire le tour. Je sais pas si elle peut, ça va me voir. Wow. Là, il bouge pas, les infectés, donc ça va, ça, c'est simple, c'est pas compliqué. Coach. C'est bon? C'est bon? Ouais. La voix est libre. Décidément, ce jeu, il devine tout ce que je vais dire. Hein? Non, rien. Ok, donc vous pouvez passer par là. Ah, ici, il y a quelque chose que j'ai loupé. Du scotch. Merci. Ici. Ah, tu vois? Ah, attends, ici, j'ai rien. Ah non, ça j'ai. Donc du coup, on va essayer de trouver maintenant la sortie. Ça va le chien? Là, ici, il y a quelque chose là. Non? Non. Non, mais le jeu, stop, s'il te plaît. Attends, elle est où la sortie? Elle doit être au-dessus, la sortie.
Ah, à moins que. On va essayer de grimper. Là, c'est pas là. Non. Je suis sûr qu'elle est au-dessus de la sortie. Ouais, elle est là, regarde. Non, je le sais qu'elle est là. Hé, hey, regardez là-haut. On voit de la lumière. C'est peut-être une sortie. Je vais monter pour voir ce que c'est. Ok, donc comment je grimpe par contre? Donc par là, par là. Alors faut tout faire le cheminement, comme ça on voit. Donc par là, ok. Ici, tu peux pas me faire la courte? Non, tu peux pas. Donc là, 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 là. Ah. Lol, je peux ouvrir les portes, ça arrive. Non, je crois qu'il y a un peu là. Attends, parce que là je bloque sur un truc tout con. Donc il faut que je grimpe. Je vais grimper par où? Au mieux de me suivre là les gens là, vous pouvez pas me trouver un endroit où grimper, bordel de cul. Ah, là il y a une passerelle, donc du coup on devra passer par là. Donc c'est forcément par là. Ça doit être par ici. Ouais, c'est par ici. Et forcément, ça doit être... C'est là. Voilà. Ok. C'est parti. Ah, attends, il n'y avait pas un truc là. Yes, une hache. Hop, je prends. C'est mieux que le bâton. Donc du coup, voilà. Tu vois. Donc, ici. Oh, des pilules. Non. On aura des pilules aussi avec elle. Ah oui. Ah oui. Oh là là, on va faire un long chemin avec elle. Parce qu'elle a un arbre de compétences. On va faire son temps amélioré. Ah oui. Ouh là là. On va jouer longtemps avec Abby, du coup. À moins que c'est un troll des développeurs, mais... Ah, attends. J'aurais pu grimper par là. Ah, là, il y a un truc. Oula. Attends. Ne dis pas que... J'aurais pu grimper par là depuis le départ, en fait, non? Hop, hop, je prends, je prends. Du coup, on va retourner par là. Excuse-moi. Ah! J'aurais pu passer par là directement en fait. Et je pense qu'il faut aller là. Hein. À moins que par là il y a un chemin. Non. Donc, ouais, je pense qu'il faut sauter par ici. Donc, on va le faire. Hein. Vous êtes prêts? Ça va être parti, attention. C'est parti. Voilà. Abby! Abby! Tiens bon! C'était sûr? Bon. Une phase à la Joël dans le 1. Attends. Oh merde, il y a un claqueur. Oh, il y a un puant. Voilà, merde. J'ai paniqué. Donc il faut que je fasse gaffe, il y a un claqueur et des... Par contre, j'ai les bombes là. Enfin, eux d'abord, je vais les massacrer. Voilà.
réussi. Aïe, mais aïe. Mais LOL. Faut que je me soigne là. Alors attends, on va prendre ce arme là parce que là il y a le plan. Voilà. Il est où le claqueur? Il est mort? Rien de cassé? Ça va, mais j'ai plus beaucoup de munitions. J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde. Ouais. C'est une planque de merde. On va sortir d'ici. Ah, il est déjà mort le claqueur. Ah bon? Oula, le petit clipping, vous l'avez eu? Ok. Attends, on fouille un peu hein, la zone. Voir si on trouve... Oh, j'ai cru que c'était quelqu'un. Faudra aller par là, je suppose. Putain, il y a trop d'embranchements là. Je sais plus où donner de la tête. Là, un bâton. Faut que tu gardes ton sang. Non mais je le sais, t'inquiète, je le garde, c'est parce que j'ai été surpris par le puant et je pensais pas qu'il y aurait eu le claqueur en fait. Les gars, j'ai trouvé un passage. Hein? Où? Ici? Ouais mais non, attends, d'abord faut fouiller la zone, Abby. Ah, avec Ellie on fait ça, tu vois, c'est génial. Regarde, hop, regarde, t'as vu? Regarde, il y avait un truc là, il est où? Ah, là. Ah merde! Là! Voilà. Ah là, regarde. Tu vois? Ça, si on trouve un établi, tac tac tac, on améliore. Ici. Là, on a encore un bâton. Je regarde là. Une brique. Je suis des avant-bras quand je suis posé sur ma chaise comme ça, là, avec les bras posés sur les coudoirs. Je pensais jamais un jour devoir dire cette phrase. Je suis des avant-bras. On a été ici? Ouais. Bon, bah allez, on y go. Hein. Allez. Manny. Je suis là. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Tu me plais bien, toi. Ok. Ok. Abby. Tu vois? Ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées ici. C'est pas faux. Est-ce qu'on va trouver d'autres choses? C'est peut-être une bonne chose. Ah! Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. Voilà. Vous voyez, ça marche. Ok. Donc, Ah! Attends. Voilà. Donc du coup, oh putain, mais il y a plein de trucs ici. On va trouver une table d'établi bientôt ou quoi? C'est bon ça. Faut checker tout ce qui brille. Attends, je vais éteindre un petit peu la lampe. Là, 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 hop. Là, l'autre côté, là. Tac, tac. Il y a plein de petites baraques, il y a encore là. Ici. Non.
Regarde là, il y a plein de petites maisonnettes. Voilà. Ici. Non. Celle-là là. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas fouillé? Là. Alors, attends, parce que je peux fabriquer quelque chose, donc... Ah, merde, il me manque... Merde. Attends, mais on en trouve des choses, là. Tu sens le truc arriver ou quoi? Ouais, et poser, tranquille. Bon, je pense que c'est tout. Là, là. Une pièce. On a trouvé une autre. Ouais. Eh, si tu sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole avec des pièces. Peut-être ici. Plus tard. Ok. Donc là, maintenant, on peut toujours pas fabriquer. Donc, par rapport à Ellie, elle collectionne les pièces, Ellie collectionne les cartes. Donc ici, on a tout fouillé. Donc maintenant, l'idée est de trouver cette sortie. Qui est ici, non? Tu peux pas grimper, sérieux? Non. Attends. Elle est là, la sortie, gars. Elle est juste là? Non mais, non mais attends, tu me fais des grimpettes de ouf. Ah. Voilà. La base est droit devant. Pas de car en V. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Bon, cet épisode, je le conçois, il est un petit peu moins fun en révélation. Attaqué par les Scars. Mais elle est tout autre, vu qu'on joue Ellie. Attends, Abby, pardon. Tu regrettes l'époque de la trêve? Ah. C'était la belle vie, hein? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce t'aurais fait, toi? J'en sais rien. Pas les criblés de balles, en tout cas. Ouais, bah pour moi, Noga passe avant tout. Manny, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Si tu le dis. Alors, si je comprends bien, la WLF et les Scars avaient fait une espèce de trêve. Mais c'est vachement calme ici. Surveillez bien les environs. Qui a été rompu par les Scars, par des enfants. D'accord. Désolé hein, si vous me voyez un petit peu regarder un peu partout, mais je fouille. Hein. Par l'intérieur. Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. T'as autre chose à proposer, Manny? Non, je suis juste énervé. Il y a quelque chose qui bloque la porte. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Je peux pas grimper là? Ah, tu vois? Manny, va voir en haut. J'y vais. Câble coincé, on dirait. Décoince-le. C'est bon. Vas-y, grimpe. Ah. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Histoire de vous faire entrer. Cool. Fais attention. Putain, il est costaud. Alors? Toujours pas de Scar en vue. Ils ont peut-être laissé tomber. Putain. C'est vachement haut. Ouais. T'inquiète, je suis une warrior. Regarde ça. Le fail.
mon dieu. Il m'avait prévenu, c'est ça le pire. Fais gaffe, c'est vachement haut. Ouais, non, t'inquiète. Bah non. Ah, attends, il y a pas un truc là? Ah, déplacer. Ah, déplacer. Mais oui. Oh là là. Putain. Bah oui, regarde, même elle le dit là. Ouais, c'est clair. C'est parti. Mais dis donc, je suis en train d'être joué par un imbécile qui réfléchit pas. C'est quoi ça? Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. Je croyais que j'étais une warrior, moi, maintenant. J'ai les gros biceps, mais j'ai les chevilles fragiles. Excusez du peu. J'ai pas le temps à la salle de muscule de gonfler mes jambes. Donc attends, on va déverrouiller la porte. Mais d'abord, je fouille. Des pilules. Hop, c'est les stéroïdes. Ah, attends. Parce que ça... Oui, non, mais attends. Mais sois pas pressé. Attends. Voilà. Hop. Regarde. Faut fouiller. Allez. Ouais, mais attends, je vais fouiller là-bas. Il y a un endroit que j'ai pas été. Et c'est ici. Et il n'y a rien. Voilà. Wow. Attends, attends, attends. C'est ce que j'appelle un entrepôt. Ne spoil pas. Le commandement réclame sans cesse des pièces détachées. Ok. Ah, qu'avons-nous là? Ah, rien. Ici, on peut ouvrir la porte. Là, il y a quelque chose. Bim, 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 bim. Alors, ici, on a ça. Est-ce qu'on peut... Non, on peut toujours pas construire. Du coup, c'est dommage. Ici. Attends, parce que là, la porte, je suis sûr, elle va être verrouillée. Ah non! D'accord. Donc, attends. Salut Delarinos, comment on va? Alors si tu suis sur l'SP, tu as loupé à l'épisode précédent. Un épisode de fou furieux. Je t'invite à le suivre sur YouTube. Je ne t'en dirai pas plus. Donc du coup on peut améliorer... on va améliorer cette arme là. Mon père m'emmenait à la pêche sur un bateau comme celui-là. Alors. J'avais systématiquement le mal de mer. Mais c'est la crosse pour améliorer la stabilité des armes. On va mettre une lunette. Manny ne tombe jamais enceinte. Merci du conseil. Ça peut être utile. Voilà. Donc du coup, ensuite, on ne peut plus rien améliorer à part le recul de cette arme-là. Non, on va pas améliorer tout de suite. On va regarder où est-ce qu'on en est niveau. Ok, il nous en manque 3 pour améliorer la suite. Alors montre avec la lunette comment que ça fait. Ok, d'accord. Nickel. Donc là, on va passer clairement par ici. Mais d'abord. C'est très bien les étapes. Le fouillage de la zone. Hop. Hop. Ah. Du coup, on peut fabriquer 2 bombes supplémentaires. Donc, du coup, ce qu'on a délaissé de l'autre côté, on peut aller le chercher. Mais je vais pas le prendre. Je sais plus en fait où ce que je l'avais laissé. Ah, j'ai plus de mémoire. Pardon mon chien. Je vais aller voir au-dessus. Alors. Ah. Les pilules, voilà. Du scotch.
Bim. On peut fabriquer le silencieux, ça c'est bien. On verra par la suite. Donc ça c'est fermé. Est-ce qu'il y a possibilité d'y accéder? Non. Allez. Mais je ne sais plus où ce que j'avais laissé. Là, ici. Voilà. Mais non, mais... Je le sais. Une issue? T'en penses quoi? Mais oui, mais je le sais. Je le sais. Je l'ai fait, mais je le sais. Je le savais. Ok. Oh! Chier, désolé. Ça va? Ouais, la poignée a lâché. On fait quoi du coup? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas! On va trouver un moyen de grimper sur le toit. Ok. Par contre, si les autres, alors, ils peuvent crever. Contente de faire partie du voyage? Ah, si cool, on peut... encore. Fais-moi penser à remercier Manny. Je suis contente d'être avec vous. Je bon, elle, non. Pas avoir bon. Été là pour vous aider. Attends, on va écouter. Pourquoi tu m'évites? Je t'évite pas. Arrête, tu m'as à peine parlé depuis ce qui s'est passé à Jackson. Je sais pas. Je crois juste que... Jackson m'a fichu un coup. Tu penses que Joël méritait pas ça? Je pense qu'il méritait pire, mais... J'aurais préféré ne pas y être mêlée. Je vois. Faut être cinglé pour faire ça, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. Ouais, mais ça... D'accord. Ça sera dans... Ah, attends. J'ai une idée. Yes. T'écoutes? Mais ça sera dans le prochain épisode. Voilà. En live, on continue. Mais pour vous, YouTube, c'est à présent terminé. Je vous dis à la prochaine. Voilà. Bon, ça a été un épisode où beaucoup de fouillage, hein, comme les, beaucoup d'autres épisodes sur ce Let's Play. Mais voilà, de temps en temps, il arrive que ça grimpe en flèche et du coup, on va de surprise en surprise. Là, personnellement, je commence à avoir de l'empathie pour Abby parce que, sachant ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, les révélations, j'ai de l'empathie pour Abby. J'ai de l'empathie pour Mel, même si on sait qu'on a vu dans l'épisode précédent que, même, malgré qu'elle soit enceinte, qu'elle est décédée, ainsi que Owen, mais l'autre qui a craché à la gueule de Joël en disant Pentejo, je sais pas si on dit comme ça. Lui, clairement, s'il crève, j'en ai rien à foutre. À moins que il y a une autre révélation qui me donne de l'empathie envers ce personnage, je m'en tape. Mais là, Abby, je commence à avoir de l'empathie pour elle. Et je craignais le moment de... Parce que quand on avait joué avec Abby au départ, je me demandais si on allait rejouer avec Abby. Et je craignais le moment, si on allait rejouer avec, que... voilà, que j'allais être un peu pas déçu, mais... Sachant ce qu'elle a fait à Joël, je voulais pas trop rejouer avec Abby. Mais là, sachant les choses qu'on a apprises dans l'épisode précédent, bah non, j'ai envie de voir son point de vue à elle. Donc, ça va être une longue phase avec Abby, je suppose, parce qu'on a tout ce qui fait que ça, on va avoir une longue phase, parce qu'on a le craft, on a les collectables avec Abby, les pièces. Donc, je pense que ça va être une longue période avec Abby. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!